Bienvenue dans un nouveau vlog. Oh my god les amis, donc aujourd'hui c'est le jour où nous allons emménager ensemble avec Andrew. Je suis choquée. Déjà, voilà, je suis revenue de Vietnam il y a 2 jours. Voilà, les vidéos sont super en retard, mais bon c'est pas grave. Là on est en début février, on a trouvé l'appartement vers mi-janvier. On a signé tous les papiers, on a fait toutes les démarches, etc. Et ça s'est vraiment super bien passé, donc... je vais pas tout dire, mais on est passé par une agence et avec l'agence en fait ça s'est grave bien passé, le gars il était trop gentil et tout. On a trouvé vraiment un appartement de ouf pour nous, on est vraiment trop contents. C'est un grand appartement, T2, il est très bien situé, j'habiterai plus à Massy-Palaiseau mais du coup dans une petite ville qui est vraiment très proche de Paris. Donc je vais pas vous donner trop d'indices mais voilà, je pense que... C'est une ville assez connue parce que nous sommes beaucoup d'étrangers à y habiter. Bon bref, c'est pas du tout précis mais bon bref. Donc là en fait, ce matin, on va déménager toutes mes affaires. Donc regardez, il reste plus grand chose là, je dois juste ranger ça. Mais tout est vide, les placards sont vides, les meubles sont vides. Enfin bref, c'est vraiment ouf. Et tous mes cartons sont là. Enfin mes cartons, mes sacs avec toutes mes affaires et tout. Mais sinon tout est archi vide. Donc je ferai l'état des lieux de sortie dans une semaine. Mais voilà, en attendant, c'est parti. C'est parti pour cette nouvelle aventure, emménagement, un petit peu vlog d'aménagement aussi de la maison. Puisque voilà, j'adore faire ça et cette fois-ci comme on va vraiment vivre ensemble avec Andrew qui est donc mon chéri si vous n'avez pas compris. Ben en fait on va... Ben, décorer la maison, remplir, enfin genre en mode remplir l'appart et tout comme on le veut. Et là on compte rester un petit moment et tout, donc voilà, let's go. Coucou. Donc là on a fini l'emménagement officiel de chez Officiel. Bienvenue chez nous. Je vais pas vraiment faire un trop grand room tour parce que bon, j'en ferai un plus tard. Mais là c'est le petit couloir, on a les toilettes, la salle de bain. Et voilà toutes mes affaires, enfin nos affaires, mais en vrai, en gros, il y a beaucoup plus mes affaires quoi. Là, c'est vraiment ouf quoi. Et voilà notre petite cuisine et le balcon. Voilà, c'est un petit peu sale, hein, mais vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Je montre pas la vue parce que sinon vous allez savoir où est-ce qu'on est. Et voilà la chambre, coucou Andrew. On est trop fatigués en vrai. Parce que en fait, on a fait le déménagement en... 2 heures, 1 heure et demie, en gros, on a tout déplacé et tout, et on a pris le camion, et après on est arrivé, et du coup maintenant, ben, on peut se reposer. On a mangé avec Asne et Katia, qui nous ont beaucoup aidé, merci Asne et Katia. On a mangé un kebab, et là maintenant on va se reposer. Donc je vous retrouverai un peu plus tard pour des vidéos d'aménagement, voilà. Coucou. Oh, j'en ai marre d'être out of focus, bienvenue dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui je suis avec... Andrew, c'est la suite du vlog en fait, non. Donc c'est pas bienvenue dans un nouveau vlog, c'est... On se retrouve encore pour la suite de notre emménagement avec une petite visite obligée chez Ikea. Oui, 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 il fait tout pour s'éloigner de la caméra là. Bon bref, du coup on va aller chez Ikea parce qu'on a plein de trucs à acheter. On a acheté la plupart de nos meubles genre sur internet et tout. Oui, la plupart de nos meubles sur internet, sur Le Bon Coin, tout ça. Mais, ou des dons. Mais putain... Mais du coup à Ikea on a acheté plein de petites choses pratiques et comme j'avais jamais vlogué à Ikea, ben let's go. La bibliothèque de mes rêves. Ça aussi c'est bien ça, je trouve, pour mettre comme table basse, tu peux mettre des trucs dedans quoi. Revenus des courses et voilà tout ce qu'on a acheté, des cintres bien évidemment, des cadres, bon j'ai un peu pété des plombs sur les cadres, hein. Yes, là c'est un petit chevet et en fait comme je vous ai dit on a des meubles à commander sur internet aussi, un porte-savon because we fancy, des bougies because je force, voilà hein, trop cool, yes, et enfin une vraie de vraie marmite. Voilà, ah non j'ai oublié ça, économe et une pince, ça c'est monsieur chef Andrew qui voulait absolument ça. Voilà, tu es satisfait? Oui, ah oui, et je vous ai pas dit du coup, mais ce matin la tante de Andrew nous a offert ce magnifique meuble. Et en fait comme on a dit on attend juste, bon déjà ici un petit meuble télé, ici une étagère,
si Inde réussit à avoir son étagère, il aura aussi une étagère, il y aura mon chevet. Et le truc sur lequel tu t'assois, ben, ça pourrait être le meuble télé en vrai. Voilà. Et on attend les tabourets, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai acheté une poubelle de salle de bain. Voilà. C'est cool, hein. Voilà, c'est les avancements de la maison. Salut. Hé, il y a que Magali qui met pas des lunettes. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai remarqué. Et pourtant, elle met des lunettes, mais elle est en mode lentille. Bon, bref, c'était cool comme remarque. Du coup, là, on se fait une petite raclette pour inaugurer la maison. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, les cornichons. Bon, bon appétit. Enfin, bon appétit si la raclette veut marcher, hein, MDR. C'est là que ça tombe par terre là. Oui, c'est calasse. Foncia a loué. Ceci est une pub. C'est une pub pour Foncia. La meilleure agence immobilière de France. Thank you.
Voilà, monsieur Inde est venu m'aider aussi, bien évidemment. Même si j'ai bien commencé, n'est-ce pas, hein? Tout fait. Pas tout, mais voilà quoi. Tadam! Le fameux lit. Coucou! Donc maintenant, j'ai fini de monter ce petit vlog. Un mois plus tard, on est déjà au mois de mars. Le temps passe tellement vite, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo d'emménagement, etc. du mois de février. Donc il y aura prochainement un appartement tour, je pense, ou bien un room tour, enfin quelque chose lié avec la maison, une fois que la maison sera un peu plus remplie. Mais bon, là, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire à part ça dans notre vie. Et puis, ben, à part ça, il s'est passé plein de choses le mois dernier, dont notamment la propagation du virus. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien niveau santé et que vous faites bien attention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker s'il vous plaît et aussi de commenter si vous avez des trucs, des conseils à dire par rapport à l'emménagement, par rapport à où trouver des affaires et tout ça. Bien, enfin, si vous avez tout simplement aimé la vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, ciao.